Abonne-toi et active la cloche. Coucou mes choubidous, alors j'espère que vous allez tous bien, mes nouveaux abonnés aussi. Je suis pas du tout maquillée parce que voilà, j'étais un petit peu malade cette nuit. J'ai beaucoup beaucoup toussé, j'ai essayé de joindre mon médecin, j'ai pas réussi à le joindre. J'ai vraiment les symptômes du Covid, mais je n'ai pas la fièvre. Et j'ai l'odorat qui reste. Donc j'ai téléphoné à la pharmacie à côté de chez moi, que je connais très bien. Ils m'ont dit, je dis comme ça, vous faites les tests? Ils m'ont dit oui. J'ai dit ok. J'ai dit écoutez, est-ce que je dois faire ou pas? Il me dit oui, parce qu'on ne sait jamais. Vous pouvez être asymptomatique, vous pouvez effectivement, parce que vous avez les symptômes, vous pouvez l'avoir. Donc je suis allée à la pharmacie, j'ai fait le test, franchement. Alors là, je peux dire que vraiment, j'ai rien senti. Là, juste ici, là, à un moment donné, j'ai éternué après parce que voilà, il fallait pas que ça dure trop longtemps, mais ça a été. D'accord, et je l'ai pas. Voilà, je ne suis pas positive. Alors, bah du coup, j'ai fait des courses en attendant. Fallait que j'attende 15 minutes. Du coup, j'ai pris du steak haché, ce que je vais me manger parce que j'ai besoin de vitamines. Parce que, alors, comme on m'a dit, si Sybille, elle l'attrape, tout le monde l'a. Ah ouais, parce que moi je me protège, je me suis enfermée 12 jours chez moi. Il m'a dit même vous pouvez sortir parce que vous avez le masque FFP2, vous craignez rien du tout, mais évitez de sortir si vous l'avez. Bon, si vous l'avez pas, vous pouvez sortir. Hein. Donc voilà, donc là, 2,30 € le beefsteak haché, charal. Charal. En fait, je vais le manger cru. Mais ces derniers temps, ils nous disent qu'il faut le cuire à cœur. Et moi, je ne comprends pas parce qu'avant, moi, je le mangeais cru. Steak haché. Dans son emballage, réchauffé, saisissez. Je vais téléphoner à Charal, je vais leur demander si je peux le manger cru. Puisque l'autre, je le mange cru, donc je comprends pas. Avec la sauce. Une mangue. J'ai pas regardé le prix, je crois que c'est 1,69 € ou 1,29 €. J'ai pas regardé le prix, sincèrement. Voilà, là, je peux pas vous dire. Ça, j'ai payé ça 4,79 €. Alors pour moi, c'est une nouveauté. Parce que c'est de la mousse et c'est au lapin, au poulet, au saumon et au rognon. Et jusqu'à maintenant, elle ne les a pas goûtées, ceux-là. Donc 4,79 €, il y en a 12 dedans. Voilà. Je me dis, elle va goûter, on verra bien. Mes petites pommes de terre à 1 €, que je mange régulièrement. Mon ex-mari aussi, d'ailleurs. Guigui et Cécé aussi, les Bretons, en mangent aussi beaucoup. Voilà, franchement, c'est très bien. Alors voilà, bien sûr, faut que j'aille au congélateur. 1,29 €, 1,29 €. J'ai mangé ça ce midi avec ça. En plus, j'ai une bonne nouvelle. Bah bien sûr, hein, Sybille, tu vas fêter ça avec des religieuses au chocolat. 2,95 €, trop contente. Bah oui, hein, je vais fêter ça hein, comme il se doit. Hein. J'avais vraiment peur, je ne vous cache pas, parce que j'avais vraiment les symptômes. J'avais mal à... Mais c'est normal, il faut que je voie. On va voir, je vais prendre le sirop, on verra. Ah! Ça, c'est Addictémie. Ma petite choupette d'amour. Regarde, est-ce que. Ça doit être suite au. Mais j'éternue beaucoup, donc ça se trouve, c'est encore allergique, mon histoire. Attendez. Je ne vais pas le déchirer, parce que. Bah, je vais déchirer. Ça, c'est moi. Elle me fait toujours des petites surprises, Amy. Quelle tête de mule. Elle l'a fait. Hein. Franchement, il est magnifique. Hein. Il est magnifique. J'espère que le porte-clés te plaira. Non, mais regardez ça comme il est magnifique. Mais le truc, c'est qu'il faut que je vous le montre en détail. Hein. Je ferai une chaîne vidéo rien que pour ça. Regardez. Ah oui, je vous le montrerai en détail. Et puis j'ai deux petits bonbons. Ah, je suis trop contente. Ah, je suis trop contente. Il est magnifique. Bon, ça, je vous le montrerai après, une autre fois. Mes sempiternelles Clémentine, je pense que ça va être la fin. 2,95 €, elles sont. C'est une tuerie. Oui, il y avait quelqu'un qui m'avait demandé comment je fais pour retenir les prix. Ben, je ne sais pas. C'est un truc en moi. C'est comme ça, je retiens les prix. Alors là, j'en ai racheté un parce qu'il est bon jusqu'en avril, en mois de mai. Donc je me suis dit, je vais le prendre. 2,65 €. Franchement, 30% de sel en moins. Il est vraiment super. J'en avais acheté un hier dans mon live, là, que je vous ai montré. Et là, j'en ai racheté un aujourd'hui. J'ai repris des petites tomates à 2 €. Voilà.
Alors, vous allez dire que je suis fatiguée. Non, c'est parce que, ouais, enfin, je suis fatiguée parce que je dors pas, parce que je tousse tout le temps. Mais Ivy, ça la dérange, elle change de place. Parce que ma toux, elle est impressionnante. Comme c'est une toux asthmatiforme, c'est impressionnant. Et c'est pour ça que je me suis dit, c'est pas possible, il y a un truc qui va pas et tout. Et en fait, c'est ça. Donc, je m'en fiche. Voilà, enfin, faut le traiter quand même. Voilà, des tomates à 2 euros. J'adore, j'adore. Ceci, ce sont des abricots en morceaux. Je les ai payés 1,99. Et les autres en cerise, elles étaient à 2,39 ou 2,49. J'ai pas compris pourquoi. Moi, j'ai l'habitude de prendre ceux-là à 1,99. Ils sont très bien. Et j'ai pris 3 avocats à 2,99 €. 1,99 €, pardon. C'était les autres. 1,99 € les 3. Et je reçois un courrier. Je ne peux pas vous lire. Si je vous le lis. Nous vous prions de trouver 6 juin amplification d'arrêté municipal. Nous vous demandons de bien vouloir dater et signer. Donc il va falloir que je signe. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors, des ressources. Attendez, je l'ai vu tout à l'heure et je ne le vois plus là. À compter du 22 janvier 2021. Adjoint administratif principal de première classe, temps complet, est promu à l'échelon supérieur de son emploi. Ça va me faire une petite augmentation. Voilà, en fin de carrière, c'est cool. Voilà, et bien écoutez, sur ce, j'espère que ça vous a plu. Je suis en pyjama, je me suis mis tout de suite en pyjama. Alors, il faut savoir que moi, on m'a dit, Sybille, si elle attrape le Covid, tout le monde l'a. Parce que je suis quelqu'un qui fait très attention, extrêmement attention, mais on ne sait jamais dans la vie, il y a les livreurs, il y a tout ça. Et en fait, moi, je fais super attention. Et ce que je voulais dire, c'est que j'arrive à la maison, je me déshabille et je me mets à l'aise. Voilà. Je suis toute seule chez moi, je me mets vraiment à l'aise, je ne garde pas les vêtements que j'ai de dehors. Je fais très attention, je me lave les mains quand j'arrive. Voilà, c'est des choses que je fais systématiquement. Là, vous voyez, j'ai touché les courses. j'aurais pas dû. Je vais aller me laver les mains tout de suite. Voilà, et je vais me laver le visage. Ouais, c'est comme ça, hein. Bon, ben, sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous dis I love you, ich liebe dich, te quiero, te amo. Je pense que Chris va nous mettre un joli décor, là. Il va nous mettre quelque chose de très joli en fond. Je ne sais pas ce qu'il va nous mettre. C'est mon petit Chris. Il nous fait des montages. C'est mon administrateur. Je le remercie du fond du cœur. Et ça, c'est rien. Hein. C'est rien du tout. Hein. Voilà. En tout cas, je vous ferai une petite vidéo sur ça. J'adore. Il est magnifique. Quoique je peux le mettre là, je vous le montre. Allez. Alors, voilà. Petite enveloppe comme ceci. Et voilà la pochette. Regardez comme c'est beau. Ma petite Amy. Abonnez-vous à Aura Création. À Amy, elle est addict Amy. Elle est vraiment super. Franchement, c'est une personne en or. Alors, elle fait des hauls. Elle a des boîtes, des unboxing, des boîtes qu'elle fait, mais ce qui viennent des États-Unis ou du Canada, je ne sais plus. Elle a des trucs sympas. Elle aime bien aller à Lidl. Elle fait des vlogs. Vous la suivez-la sur Instagram aussi, parce que sur Instagram, elle fait beaucoup de choses. Voilà. Merci Sybille, avec un petit cœur. J'espère que le porte-clés te plaira. Mais comment il ne peut pas me plaire? Voilà, c'est Eora. Alors, son site, c'est Eora. Création de bijoux de chez Instagram. Ensuite, petite pochette, des bonbons bien sûr. Je ne sais pas ce que c'est comme bonbon, c'est marrant. Et voilà, et regardez ça. Il est magnifique. Regardez, il n'y en avait plus qu'un. Je l'ai payé 10 euros avec les frais de port, j'ai dû le payer 12 euros, même pas, je ne sais plus. Regardez, il n'est pas beau, il n'est pas top. C'est pas beau ça, voilà. C'est mon petit porte-clés. Enfin, je vais renaître, je vais revivre, je vais redevenir coquette. Voilà, avec tout ça. Hein. Mais bon, j'ai des bonnes nouvelles quand même. Ben, j'ai des bonnes nouvelles. Je ne suis pas positive au Covid. Et j'ai une augmentation. Jamais 203 qu'elle va être la troisième. Ah oui, je voulais vous dire que souvent on me demande mon adresse et je ne préfère pas la donner.
Voilà, c'est comme ça, je préfère pas la donner. Je suis quelqu'un compliqué. Je vis seule, donc je peux pas me permettre de donner mon adresse comme ça. Parce que souvent on me le demande, hein. Je ne me cache pas, en privé, on me le demande tout le temps et je dis non. Parce que justement, j'appréhende comme je suis seule et je ne sais pas qui est derrière. Donc, Amy, je connais, ceux que je connais, hein, mais les Bretons, je les connais. Deux gars et un chien, mais j'ai mais milliards de confiance en eux. Si vous pouvez vous abonner avec eux, avec eux, ça sera très très bien. En plus, ils sont fatigués en ce moment, mes petits amours. Là, je sais pas ce qu'ils ont là. Faut qu'ils se reposent aussi, hein. Et puis, petite Caro, je te fais des gros bisous. Là, c'est comme ça, hein, ça me vient comme ça. Hein, mais j'ai d'autres chaînes, hein, que j'adore. Hein, mais là, ça me vient comme ça. Petite Caro, elle passe à la télé. Pas à la télé, elle passe à. Et j'aurais pu la voir, mais ça va être trop tard. Elle passe en. À Contact FM, à la radio. Je ne sais pas pourquoi, mais passe à la radio. Voili voilou! Sur ce, je vais pas danser parce que je suis un peu fatiguée. Je vous dis I love you. Ah, ma petite crevette d'amour, qu'est-ce qu'elle m'écrit? Elle m'écrit un petit message. Diana. Non, petite crevette, bambou, petite crevette, j'adore. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis I love you, je vous dis je te quiero. Je vais bientôt faire un share of love. Alors aujourd'hui, je ne travaille pas parce que ben, je vais peut-être demander à prendre 2 jours de vacances parce que, ou alors le médecin va m'arrêter, je ne sais pas. Parce que je suis quand même bien, bien enrouée. Bien prise et des fois ça me bloque là, voilà. Bon, en tout cas, le machin là, non, 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 faites-le, je vous assure, ça a été. Surtout que moi, je suis hypocondriaque et une trouillarde, comme il n'y a pas d'eux, je peux vous assurer que ça le fait, il n'y a pas de problème, elle me l'a fait, j'ai strictement rien senti. Juste éternué à la fin. Mais c'est normal aussi parce que je suis enrhumée, j'ai plein de trucs. Voilà, je vous aime, n'oubliez pas, actionnez la petite cloche, ding, ding, ding. Et bien tiens, regardez. Actionnez la petite cloche. Si vous actionnez pas la petite cloche, vous n'aurez pas les notifications. Et là, actionnez la petite cloche, vous aurez les notifications. Allez, bye, ciao. Abonne-toi et active la cloche.